L'essai du mois dans Passion Auto. En novembre dernier, CMM Automobile présentait l'actualité du groupe avec entre autres l'arrivée de la nouvelle Ford Focus. Aujourd'hui dans Passion Auto, c'est la nouvelle Ford Focus 2019 ST-Line 120 chevaux qu'on essaye pour vous. La Focus est une voiture très appréciée en Europe avec 7 millions de voitures vendues sur les 16 millions sur le marché mondial depuis sa création en 1998. C'est à l'usine de Saint-Louis en Allemagne qu'est produite la berline compacte. Pour cette quatrième génération, tout a été revu, à commencer par une toute nouvelle plateforme nommée C2 qui permet d'alléger la voiture. À bord, c'est un concentré de nouvelles technologies qui fait leur apparition pour cette nouvelle Ford Focus, comme par exemple le Copilot 360 qui est un ensemble de systèmes d'aide à la conduite pour une conduite plus sûre. C'est un segment concurrentiel avec des voitures comme la Mégane 3 et la Peugeot 308. Les ingénieurs de la marque américaine ont tout revu à la hausse, à commencer par un design très marqué et une qualité perçue augmentée, tout en alliant confort et fonctionnalité. Concrètement, la nouvelle Focus s'agrandit pour atteindre 4,38 m avec un empattement de 2,70 m pour une meilleure habitabilité par rapport à la troisième génération. Le coffre, lui, atteint 378 litres sur ce nouveau modèle. Côté design, la finition Trend se dirige sur des lignes plus consensuelles, contrairement à la finition ST-Line qui, lui, est plus racée. Sur ce modèle ST-Line qu'on vous présente aujourd'hui, le châssis est rabaissé et les jantes sont du plus bel effet. Le bouclier avant avec sa calandre à l'anglaise, les bas de caisse et le pare-choc arrière donnent un look plus sportif par rapport à la finition Trend. Côté intérieur, c'est un intérieur moderne qui vous accueille avec l'écran de 8 pouces, avec le système d'infodivertissement SYNC 3 et le copilote 360 qui intègre des technologies d'aide à la conduite avancée comme la caméra de recul, radar et capteur. Pour le conducteur, cela se traduit par une aide à l'évitement d'urgence, un système de prévention de collision avec détection de piétons et cyclistes, une aide au centrage dans la voie, une aide pour le stationnement avant et arrière ou encore une reconnaissance des panneaux de signalisation. Le tableau de bord entièrement repensé reprend l'accès au réglage par menu déroulant sur l'écran au centre du compteur avec les paramètres d'aide à la conduite à portée de main, accessibles par les commandes sur le volant. L'écran central SYNC 3 contrôle pas mal de fonctions de l'habitacle en plus des infodivertissements présents sur la voiture. Les matériaux utilisés, l'intérieur et le tableau de bord sont de bonne facture. La position de conduite est très agréable et la qualité perçue a été améliorée par rapport à l'ancien modèle. Tout a été modernisé sur la nouvelle Ford Focus. Cela s'en ressent tout de suite sur la route. La direction est précise et légère et devient plus dure en conduite mode sport, tandis que le train avant se montre plutôt tranchant. L'amortissement semble idéalement calibré, à la fois pour l'efficacité du maintien de caisse et pour le confort de marche. À bord de cette nouvelle Focus, conduire devient un plaisir tout en profitant du confort. Les aides à la conduite agrémentent la route en toute sécurité. Afin d'avoir votre propre ressenti, n'hésitez pas à venir essayer la nouvelle Ford Focus en concession dans le réseau CMM Ford de Lille. À La Réunion, la nouvelle Ford Focus est vendue à partir de 23 390 euros. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio.